Bonjour mes petites Lucioles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour une petite partie d'achat de livres de tout genre que j'ai acheté de ce mois de décembre. J'ai un peu trop craqué en livres, mais je pense qu'il m'en manque un, mais je suis pas très sûre. Du coup, vous l'aurez peut-être dans un prochain livre. Voilà, je veux vous montrer d'abord le beau objet que j'ai eu, mais on me l'a cassé. Ça me fait un peu chier, mais tant pis. J'avais trouvé ce beau coffret des sorcines. Non, ça, il est trop beau, j'adore. Voilà. Pour moi, voilà. Et du coup, vous avez le... Bien sûr, il n'est pas... Hop. Vous avez le tome 1. Comme ceci. Hop. Tome 1. Un jour, je serai fantasticologue. Voilà. Il est trop beau, j'aime bien. Celui-ci est déjà lu. Je vous dirai dans un point lecture. J'en ai pas beaucoup encore à vous présenter. Parce que j'ai... Pour ceux qui me suivent sur... mon groupe, je suis à mes 12 livres, je suis presque à la fin. Et en même temps, on a le tome 2 que j'ai pas encore lu. La fille qui aime les animastores. Il est trop beau aussi, j'adore. Du coup, je pense me faire ça dans les jours à venir parce que je trouve que ce livre est trop beau, j'adore. Il est trop beau avec toutes les petites... garniture dessus. Si vous entendez plouc, c'est mon téléphone. C'est mon groupe. C'est notre groupe de lecture. Si vous avez envie de venir, on parle de livres, de nos trucs de la vie. Voilà. Après, ce que je vais vous montrer, je vais vous montrer celui-ci. 13 à table. Resto de cœur. 13 à table. Celui-ci m'ennuie un peu parce que j'avais pas fait attention, mais il écrit tout petit. Ça, c'est un ennui. Et je l'ai payé, il est à 5 euros, mais je l'ai payé 2 euros. Ça vaut le coup. 13 à table, un livre égale 4 repas. Et c'est de édition Pocket. Voilà. C'est le livre de maintenant, des Restos du cœur. Voilà. Là, j'ai pas dit le... Je ne sais pas la maison d'édition. Après, je vous montre quoi. Allez, je vais vous montrer un Walt Disney, la bibliothèque rose, le Elliot et Peter Elliot le dragon. Je sais plus ce que je dis. Voilà, de cette collection là, ça m'a intéressé, me montre. Voilà, c'est le même que c'est le roman. Du coup, je vous lis pas la bande derrière. On a des petits dessins dedans. Voilà, comme les autres que je vous ai déjà montré. Je vais les remettre avec les autres qui sont juste là. Hop là, voilà, que j'ai pas encore lu. Après, je vais vous montrer quoi. Allez, on va commencer par celui-ci. Ils sont fatigants, ces animaux. Je me suis pris, bien sûr, la Reine des Neiges. Il me le fallait absolument. J'ai les autres, du coup, il fallait celui-là avec. Voilà. Ici, Anna et Elsa n'étaient jamais rencontrés. Voilà. Bon, je vous lis pas le résumé parce que j'ai pas envie de me spoiler dans ces histoires-ci. Voilà. Et l'écriture est assez grande. Vous pouvez le remarquer. C'est un beau. Et il est, je l'ai payé 18,35 centimes. Voilà. Chez Club. C'est là où je vais en plupart du temps. Après, je viens d'acheter. Parce que je l'ai vu en pas tout de suite. C'est celui-ci. Les sœurs. L'étranger sœur de Disney aussi. Hop, il est beau. Il est sombre mais beau. Voilà, je l'ai payé 16,20 €. Celui-ci par contre, il est, je suppose qu'on dit, illustré avec des dessins dedans. Ah, beaucoup de pages, j'ai vu. Je sais pas si vous allez voir, beaucoup de pages. Je vais pas envie de tout me spoiler, mais hop, je vais vous montrer un. Celui-ci.
Voilà, et c'est plusieurs chapitres. Ici, la devoir d'une fée. J'ai vu, c'était plusieurs chapitres. C'est celui qui me tente le plus pour le moment. Enfin, non. Parce qu'il y a plusieurs chapitres. Ici, j'ai le... La comble de la pomme. Regardez que celui-là est beau, le dessin. J'aime bien. Il doit être Blanche-Neige, je suppose. Comme elle a son nœud. Il y a... Bon, je vais arrêter après celui-là. Le corbeau. Là, le corbeau de Maléfique. Oh, il est beau. Bon, j'arrête parce que, heureusement, après... Après, on va continuer dans la même série. Je me suis pris... Les contes interdits de Peter Pan, de Simon Larousse, comme ceci, et pour un public averti de AA. Bon, je connais pas le nom, voilà. Ici, je l'ai payé 10 euros. C'est un petit bouquin. Voilà, vous entendez le plouc, c'est mon groupe. Une vague de danger se jette en du haut de la falaise, croyant pouvoir voler. La disparition d'une jeune femme, Wendy Gostier, et de ses deux frères Delica, évoque leur pénite de mieux. Une île perdue dans la forêt d'Orbale habite par une communicati. Voilà, c'est un peu horreur. C'est la première fois que je vais m'essayer à ce livre. C'est les filles du groupe qui m'a tenté. Ils ont lu, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a une qui m'a dit qu'elle avait lu Le Chapon Rouge. Il y a Les Trois Petits Cochons. Et je ne sais plus quoi. Et il a écrit assez gros quand même. Du coup, on verra si j'aime bien ou pas. Voilà. Après, on va commencer par le petit de poche. Je te ferai aimer Noël de Carole M. Lunn. Carole M. Aux éditions H. Je ne sais pas si vous voyez. Il brille mille feux. Il est trop beau, j'adore. Là aussi, c'est écrit petit. Mais voilà, je ne l'ai pas encore commencé. Je l'ai payé 6,90€. Je trouvais un petit prix pour un petit livre de Noël. Du coup, je vais lire un tout petit peu le résumé. Ma mission, vous rencontrer avec les sapins verts et les bonnets de Père Noël. Ça, c'est un petit titre qui est mis. Je suis désolée, mais je tousse. Noël, pour certains, est l'enfer. Les dîners de famille, pour les autres, les casse-têtes, les idées de cadeaux. Mais pour moi, c'est tout simplement la meilleure période de l'année et de ma fête préférée. Et quand il partit, parce que là j'ai reflet, Patricia de la famille, Rivulant a proposé de m'embaucher pour réserver espère de Noël dans le foyer. Et intimité et toute fondition incontournable. Je n'ai pas hésité une seconde, sauf qu'il n'y a pas précisé que John, son fils, 30 ans, est un râleur hors pair, faisant une crise d'urticaire à la vue de moindre guirlande, et qu'il était en aucun cas disponible à me faciliter la tâche de la mission. Ça donnait donc à plus compliqué que prévu. Mais Noël, tous tes miracles sont possibles. Voilà. Désolée pour mon dur et mal parlé. Après, je vais vous présenter mes deux plus gros livres que je ne sais pas quand je vais les lire. Enfin, s'il y en a un de Noël et l'autre pas de Noël, mais celui-là, je voudrais bien le lire bientôt. Il est gros, il est beau, je l'adore. Regardez ça, il est trop beau!
j'adore la boule de Noël comme ça, c'est trop beau. Alors, comment ne pas faire partie à Noël quand on est célibataire? Écrit par Oana Balouki, voilà, aux éditions au Terrelet, je sais pas quoi. Voilà, il est trop beau, j'adore. Je vais vous lire un bout du chapitre. Alors, Noël, le cauchemar de tous les célibataires. Je sais pas, parce que je suis pas célibataire. Enfin, quand j'étais seule, oui, quand même. On sent seul quand les copains, les copines font des bisous. On tient la chandelle. À 38 ans, Émilie a travaillé sanctification. Les amis falloureux. Oh là là. Avec le reflet, c'est chiant. Et surtout, son appartement merveilleux cité. Je l'ai pas eu. Cité à des certaines de kilomètres de la famille, trop intrivige. Sa seule source de stress est Eva, son jeune voisin qui fait beaucoup trop de bruit la nuit, mais qu'il importe heureuse du couple. Avec Robert, Émilie espère bien inviter chez elle pour Noël et lui présenter ses parents le temps des questions indiscrètes et de moqueries. Enfin, derrière elle, mais quand elle aperçoit que Robert lui ment depuis le début, Émilie décide de rompre. Et maintenant, comment afferont la affaite feront la famille pendant les fêtes? Ça me fait alors appeler les fêtes d'un côté. Voilà. Je sais pas si je vais lire parce qu'il est déjà mois de novembre, enfin décembre, et je n'ai pas encore commencé. Et quand même, c'est un pavé, si vous voyez, un pavé. Je sais pas. Et comme je lis pas vite, si j'ai bien vu, il y a une 500 pages. Voilà, après le plus gros livre que j'ai aussi, c'est le même genre, enfin je crois qu'il est même plus gros celui-ci, c'est les jeux interdits d'Emma Gray aux éditions additives. Certains jeux peuvent vous changer à jamais. Voilà, il a l'air trop beau. Alors, la définition est trentin, non masculin, ex-copain, non, c'est parce que j'ai pas envie de trop spoiler. Ça aussi, c'est sur mon groupe, on me l'a conseillé. Celui-là aussi, il écrit assez gros dedans. Voilà, alors, on va lire quand même. À 15 ans, il était mon pire ennemi. À 18 ans, mon premier amour. À 25, il se retrouve par le plus triste arrêt de la vie. Sauf qu'il est revenu tout ce que je déteste. Ce que je dois à nouveau combattre avec lui. Que de ce drame pour poursuivre et quelqu'un de nous ne s'en jamais remis. C'est un long résumé. Hein. Yves Tang et Triton Kin se déchirent autant qu'ils s'attirent. Ça ne fait 10 ans que ça dure. Le fantasme d'Harry, une petite dernière du clan. Quand Ken m'irait disparu des années tôt ou tard en plan encore sur leur histoire d'amour est possible. C'est sans compter sur le contact que je livre. Vous voilà. J'espère que ça vous plaît. C'est mon téléphone qui sonne. Bon, moi, je vais vous laisser sur ce point. N'oubliez pas, mettre un petit commentaire, un pouce bleu, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
jamais. Et moi, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.